bitch spit on my face. I like that. Pour l'instant, là, je viens de me rincer le visage. J'utilise le démaquillant pour enlever le Mario bas des cils. Je vais s'enlever avec, avec de l'eau, quoi. J'ai un bouton sur la joue, il me tue. Il va partir, genre. Je vais aller me mettre à l'aise aujourd'hui. En fait, je voulais grave m'acheter une tenue pour l'aéroport parce que je voulais faire des trop belles photos. Vous connaissez votre goût. Et j'avais trouvé des outfits genre à la Bella Hadid. De toute façon, aéroport pour moi, c'est à l'aise, tu vois. Donc je voulais mettre un truc genre jogging. Je voulais acheter un ensemble de jogging en fait. Chez Adidas peut-être, je sais pas, je veux voir. Sauf que tout ouvre à 10h et là il est 8h. Je vais me préparer, je vais me maquiller. Je vais pas mettre de mascara du coup, vu que je n'ai point de mascara. Parce que mon mascara s'est cassé. Du coup je vais laisser mes cils comme ça. Et quand je vais aller faire les courses là, bah j'achèterai un mascara et j'ajouterai quoi. Un peu de crème, on y va, pour réveiller mon visage tout fatigué. Je vais faire mes sourcils aussi. En fait, je sais pas si je les fais moi vite fait là, ou si je passe chez l'Indienne. Ça ouvre à 10h aussi. Tout ouvre à 10h en fait. En fait, quand t'es matinale, c'est chiant parce que tout est fermé en fait. On perd. Hi guys, du coup, là j'ai fait mon make-up, mais j'ai pas mis de mascara comme vous pouvez le voir. J'ai des petits yeux. Et j'ai été en train d'essayer de outfit. Donc en dessous j'ai mis une brassière. Je crois que je vais aller m'acheter une brassière en fait plus large qui couvre plus, ou un crop top. En vrai j'ai mis un jogging boue, mais easy foam celle-ci. Et voilà, donc en gros ça sera cette tenue là. Enfin je vais partir avec cette tenue si je trouve rien. Là je vais aller faire le magasin vite fait. Aller acheter mon mascara et tout. Il est quelle heure? Il est que 9h. Les trucs ne sont toujours pas ouverts, donc ce que je vais faire c'est que je vais descendre à la salle, faire genre 20 minutes de sport je pense. En vrai je vais juste faire un peu d'abdos. Les gars, je vous jure que hier j'ai fait des abdos, genre j'ai fait une heure de que des cours d'abdos en fait. Genre ils sont vraiment ressortis, alors que je vous jure qu'en ce moment j'avais un gros ventre tout gonflé. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, ouais c'est pour le sport et tout, mes séances de sport. J'ai une playlist sur YouTube, ça s'appelle Sport and Health et vous pouvez la trouver, genre c'est une playlist ouverte, allez dans mes playlists. Et à toutes mes séances de sport que j'ai faites et que j'aime bien et tout, dans l'ordre en plus des dernières, donc vous pouvez retrouver genre toutes les vidéos que j'ai faites hier et tout, vous pouvez trouver tous mes cours de sport. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bon guys, j'ai fait mes achats, je vais vous montrer ça dans la voiture. Tout, normalement j'ai tout pris, genre tout ce que je devais prendre, j'espère que j'ai rien oublié. J'étais un jogging, j'hésitais trop à le prendre en taille M ou L. Mais voilà, en gros lui je pense qu'il va vraiment plus ressortir avec mon outfit, ça va faire vraiment beau. Vous voyez, genre je vais mettre ça avec ce jogging là. J'espère qu'il va pas être trop oversize parce que voilà, je vais l'essayer là. Regardez le sac que j'ai trouvé à Stradivarius, il est incroyable. J'étais obligée de le prendre s'il vous plaît, il est trop beau. Genre j'ai trop aimé, il était à 20€ je crois. Du coup voilà, et j'ai pris... des petits bijoux comme ça, j'en avais pas, j'ai pas assez de petits colliers dorés. Et vu que là j'ai déjà des colliers dorés, en fait je voulais en mettre plein genre, tu vois. Du coup je vais rajouter ça là. En fait vous allez voir, je vais construire ma tenue, je vous montre après. Bon guys, du coup voilà le outfit. Donc c'est simple, hein, jogging, truc, crop top blanc. Avec, bon là on voit pas très bien à cause du soleil, mais j'ai mis bah, les easy. Et ce gilet là où il y a une écriture derrière, il est trop beau et très confortable. Du coup voilà, juste j'ai pas de ciseaux. Donc j'ai pas réussi à ouvrir ça, donc je vais l'ouvrir après, je le mettrai après, pas que j'oublie. Et j'ai ajouté mon mascara Benefit, c'est le roller lash de chez Benefit. Voilà, ceux qui ont suivi mes vlogs, je crois que je vous avais dit dans des vlogs, mais en gros, je sais pas, il y a un défaut de fabrication dans ce mascara, ça fait deux fois que je l'achète, deux fois qu'il se casse. Genre que le bouchon il souffle plus, enfin bref. Et je suis une grosse yankee, à chaque fois je le rachète parce que j'aime que ce mascara en fait. Bref. Guys, on vient d'arriver. Enfin, on n'est pas encore arrivé à l'aéroport. Il vient de me déposer là. Du coup, il y a Mimi, Lina et Sarah avec moi. Il fait trop chaud aujourd'hui, je suis choquée. Chibal. Heureusement, j'ai pris cette valise. Bougez, elle glisse trop bien. Orly 3, c'est tout au bout. Dites coucou. Bon, guys, on est à l'aéroport. On est en train de chercher un drone. On va se coucher. Oulala.
Ça se trouve on a pris sur Transavia, un faux Transavia là qui marche pas. Ça me déçoit de prendre Transavia, la dernière fois que j'ai pris l'avion c'était Emirates Fly, mais bon. No, I just don't think this is like right for me. I don't want to do it. I want to go home. Like I can't take the pressure of it. But don't you think any job interview... Les gars, je vais prendre des trucs à manger parce que je sens que je vais avoir trop faim. Et on a rien de salé en plus. Du coup j'ai pris ça, c'est aux légumes et aux chèvres et une bouteille d'eau. Guys, depuis tout à l'heure on fait des TikTok, on a trouvé un éclairage trop bien genre. Et là on va prendre des photos et ensuite on va aller s'enregistrer. Ouais. Mieux, elle veut prendre les photos dehors. Ça te plaît. Bref, du coup, on y va. Il est où mon tel ? 2000 years later. On va enregistrer les trucs pour les bagages. Fofo, Fobi. Bon, du coup là on va déposer les valises. Ah, je suis trop fatiguée. So tired. Bon, guys, comme prévu, j'ai un excédent de bagages. J'ai pris pour 20 kilos et il y a 22 kilos dans ma valise. Il n'y a que 2 kilos de plus, j'ai un peu le seum. Du coup là je suis en train de faire une autre queue. Je suis trop fatiguée là. Non mais toujours nous. 2 kilos il ne laisse moi, pas passer. 2,9 kg. Non mais elle a dit 1 kg de tolérance pour. Non, bouteille d'eau tu peux mettre genre les produits démaquillants, ouais. Shampoing et tout et tout, ils veulent pas. Oh my god. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? What is that? Tu fais quoi? Il a été chaud. Je savais que ça allait changer là. Elle était trop lourde ma valise. Ils sont vraiment trop beaux les colis que j'ai achetés par contre. Mmh. Regarde celui-là, j'adore. Voilà, heureusement j'ai pas acheté de boisson. Les gars, je viens d'acheter cette bouteille à 3€. On a même pas le droit aux boissons par contre, ça je suis choquée. Non mais je vais jeter ça. Oh, elle va jeter ça. Garde-la. Garde-la et au pire si. Ouais, on sait jamais. Moi aussi je veux garder ma bouteille d'eau. Mais si tu as dit de la jeter, tu la jettes, écoute, mais en tout cas. Non mais t'es obligé de la jeter. Ils vont pas te laisser passer, t'es obligé. Il n'y a pas une étape en fait dans cette compagnie. Ouais. Tu sais, nous d'habitude on prend Fly Emirates, on se retrouve dans des trucs de touche là. Déjà il n'y a pas de prise genre. Vous avez vu un endroit sans prise, un avion sans prise, moi je suis un peu choquée. Genre j'ai besoin d'être connectée au monde. Quelqu'un veut ma place? Non, j'ai personne. Il est 11h30. Oh putain, l'avion il va décoller. Mais j'ai décollé. Non mais là je peux pas ajouter ça. Moi je la rentabilise depuis tout à l'heure, je bois. Alors que j'ai pas soif. C'est en plus ça m'écœure de boire l'eau alors que j'ai pas soif. Les gars, j'en ai marre, ça fait 3 heures qu'on attend. Mimi et Sarah, on va rater la même. Mimi et Sarah, elles ont avancé déjà. Il est 15h. 15h pile et à 15h10 l'embarquement il se finit. Regardez nos trucs, ils sont encore tout là-bas. Ils ont pas encore vérifié. Moi mon sac il est encore. Ils m'ont jeté tous mes produits, mais c'est pas grave, on est dans l'avion. Putain, j'ai plus de produits, j'aurais des boutons, j'ai plus de polachon. Je vais chialer, wesh. Ils m'ont tout jeté devant moi. Quel gâchis. Mes produits tout neufs, là, j'ai pleuré. Bonjour. Est-ce que t'es au courant que si j'avais pas pris les masques, on pouvait rentrer? J'ai eu le temps de passer. Heureusement, nous, on a couru. Bon guys, on a réussi à voir la vue. J'en peux plus, par contre on est obligé de porter ces masques du malheur là. Ils me font mal à la tête. Je peux faire charger mon tel, j'espère qu'il n'y aura personne à côté de moi. Je suis à côté de la fenêtre et les filles elles sont devant moi genre. Là il y a Mimi, Bina et Sarah. Les gars, on vient d'arriver en Italie. En Italia, Sicilia. Ah, je peux faire la traîne comme ça là. Ah oui, c'est pas ça. Du coup, les gars, on croyait qu'il y avait des Uber, mais il n'y a pas de Uber en fait. Enfin, déjà que il n'y avait pas de prise dans l'avion. Dans l'avion, maintenant, il n'y a pas d'Uber dans cette ville. On est à Catania. Ouais, bah oui, bah encore heureux quoi. Si on n'a pas la wifi, par contre, là, j'abandonne. Le vol il était trop bien, je vous jure. L'avion il était trop agréable et tout. Genre,
Carrément, on dirait que c'était un manège, on voulait que rester dedans, on était triste que ça qu'on soit arrivé. Mais on dirait qu'il a duré genre même pas une heure, c'était archi rapide. Mais les gars, il fait pas froid. En fait, je crois que les 13 degrés d'ici, c'est pas la même 13 degrés que Paris en fait. Parce qu'ils ont dit qu'il faisait que 13 degrés, mais. Mais il fait tarpin chaud là, alors qu'on a un gilet en brassière, hein, j'ai rien du tout en dessous. Là, on va trouver un taxi. Grazie, grazie. De tout. Notre aventure comment? Notre aventure comment? Est-ce que vous êtes prêts pour les aventures? Ah ouais, il va nous arnaquer en plus, on parle français depuis tout à l'heure. On aurait dû parler italien. On parle anglais. On parle même pas italien. Grazie mille. Here. Vous trouvez qu'on fasse alors, via Antonio Gramsci 70 is out Catania, not is in Catania. Yes, no, it's... Via Antonino Gramsci 18... 74. 4, yes. 95 000. Let's go. Une heure, c'est quand tu mets l'avion dans ta story, mais que les gens ne savent pas que tu vas... Les gars, ça sent la Tunisie, ça sent les vacances. En fait, vous savez que genre, on est à... On a 30 minutes de Rhodes. Non, je rigole. On est pas loin de Djerba. Mon vlog, il va être bien drôle. Mais les gars, regardez notre Airbnb. Genre, il est en face de la mer. Bon, il fait un peu frais par contre. Tout à l'heure, il a plu. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir parce qu'on voulait sortir acheter des trucs à manger. Mais en tout cas, juste cette odeur là de la mer, j'adore. C'est trop cute. Bon, là, on paye le beurre. Les gars, on a payé 120 euros. Heureusement qu'on est 4. Du coup, ça nous revient pas trop cher. Le rat. Les gars, c'est magnifique. On dirait qu'on est arrivé dans l'Empire romain. C'est la rue. Oh, it's so pretty. C'est magnifique par contre. Oh, c'est trop beau, nos petits déj ici. Oh, il y a trop d'escaliers. Les gars, c'est énorme. Je vais vous faire un room tour. Commentez. T'es bizarre toi, je comprends pas pourquoi, alors qu'en bas c'est grave beau genre. C'est beau mais en gros c'est... En fait, alors je vous explique, ce Airbnb genre c'est l'Empire romain. C'est trop beau. Genre vous avez vraiment tout comme les comme à l'ancienne, j'adore. Notre skincare. Ah si, je leur ai raconté mon petit skincare, ils m'ont jeté toute ma skincare. Putain, élastique. Mais là, du coup là vous avez des petits escaliers, so cute. Donc ça c'est la chambre de Sarah et Line. Du coup voilà. La salle de bain, déjà regardez comment c'est fait, genre c'est trop stylé, c'est trop beau. Et regardez, elle est trop belle, genre c'est en marbre et tout. Vraiment c'est icoco quoi. Je vais faire mes best pictures. Non, on a une petite cuisine. Mais en fait le plus beau c'est vraiment l'extérieur, genre bon la cuisine elle est grave cute. Voilà, il y a déjà des cookies de Mimi, mais je crois qu'on va sortir un peu faire les courses là. Parce qu'il y a des trucs qui sont ouverts. Et là regardez, en fait c'est tellement beau, genre ici. Là c'est la nuit demain, de toute façon dans le prochain vlog vous verrez ça, vous verrez mieux ça. Là-bas il y a la mer, c'est trop beau, on a la vue sur la mer. Là on a une grande cour énorme, là on a ça genre un balcon, et il y a même encore un étage, je vais vous montrer. Ici, là vous descendez, bref là je vous montrerai mieux demain, mais en gros tu descends. Bref c'est énorme, là il y a encore une cour, il y a la piscine ici, il y a des tables ici. Il y a des piliers et tout genre. Parce que bon la température, bon là ça va il fait pas froid en soi. Genre les 13 degrés d'ici c'est pas du tout pareil qu'à Paris tu vois. Regardez, par contre ça fait un peu peur là du coup. Je suis toute seule. Il y a des petites statues de l'Empire romain là partout. Là il y a une table. En gros il y a une table. Vous avez un canapé et là genre il y a la mer. C'est trop beau. Là-bas il y a le port. Je vous jure que c'est vraiment magnifique. Et là il y a encore une grande terrasse, enfin bref. Et là vous avez comme ça une cathédrale ici. Enfin bref. Cette tenue, on est fatigué. Je vais me doucher et tout ça. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire. J'ai changé de chaussure, j'ai mis mes Air Force parce que j'avais froid aux pieds. Et on n'arrive pas à fermer la porte. Attends, parce qu'il m'avait donné une autre clé, le bug, et je la trouve pas. Genre. Je suis vraiment une clocharde aujourd'hui. Ah voilà, il y a une clé ici. On va voir si peut-être celle-ci. Juste magnifique hein, quand même. Ouais. Mais tu lui dis bien, juste... tu lui dis on va bientôt rentrer dormir, tu lui dis faut vraiment, on peut pas dormir Ouais. C'est comme ça sinon vous nous payez un hôtel. Regardez la pièce qui fait peur, c'est ça. Regardez, ici il y a un trou en fait, il y a une pièce genre, ça fait trop peur. C'est un endroit, regardez. Mais juste je te pousse, tu tombes dans l'eau. Ah mais là ça... Mais bien sûr que si, là si je te pousse, tu tombes dans l'eau. Hein. Ah c'est dégueulasse en plus. Ouais, tu connais tout. Mais ça va pas ou quoi? On va tomber dedans, ça va pas. Pour combien de likes je sais dans la piscine? Putain, Sarah, par contre, tu disparais plus comme ça, quoi. Elle m'avait peur, j'ai cru que je l'avais perdu. Donc, guys, on va voir s'il y a des endroits qui sont verts. Je sais pas si c'est parti. Ici, ah,
Il a dit que vous voulez autre. Ah, bah demande-lui. Les grottes. Do you have another one? Les gotas, les grottes, cream, chocolat. Ah non, c'est rigota. Two rigota, one chocolate. One rigota. J'ai trop soif. Oh là, c'est ça qu'il faut qu'on achète une bouteille d'eau. Annyeong. Là, on va goûter du coup les cannolis, il est en train de les faire. C'est bien, je crois qu'il les fait en Didi genre. Mais vous voulez manger genre, j'ai pas compris que vous voulez faire quoi. Ouais. Non mais vous voulez m'apprendre un peu. Mais pas ici, on prend. Est-ce qu'il y a de l'eau? J'ai trop soif. Thank you. Regardez, ils sont trop beaux. Non mais Sarah, j'ai oublié de filmer. Eh, le mec il est trop chou. Sarah, il lui a parlé avec l'application. Montre l'application, Sarah. C'est trop bien. Genre elle parle en français et ça lui a dit en italien. C'était trop cute. Ah, il a dit à un Mexicain là-bas, venez, on voyait quoi là-bas? Non, mais les cannolis sont archi esthétiques, genre. C'est pas les cannolis de IT, quoi. Ah, c'est ça. Ok. Ah, ouais, il y a une pizzeria. C'est une pizzeria, ça. Mais non, regarde, il y a une petite terrasse en plus. Imagine. Ouais. Ok, donc il nous parle de ce Mexicain là, regardez. Non, mais non, on prend des pizzas, voilà, on mange à la maison. On prend une pizza là et on se la partage. Oh my god, les gars! Les gars, on est tombé sur la racaille sicilienne. Putain, on allait la costaine d'Italie, frère. Scusi, grazie. Par contre, moi je sors d'ici, je sais parler italien quoi. Vous savez, j'ai fait 2 ans d'italien, je sais même pas dire ciao. Ouais, là en fait on se perd là on se perd. Ouais, parce qu'on a pas autant marché, j'ai l'impression. Si, quoique. Derrière, c'était juste là. Oui, c'était à côté, il me semble. C'était collé au truc rouge là, mais pas du tout, fallait tourner. Alors du coup, c'était au truc rouge en fait. Retour dans notre demeure. Du coup, la pizzeria elle est fermée donc on va se contenter des cannolis. Bref. Mais... Je sais pas ce que j'en pense, c'est que. Attends, je peux pas avoir un souffle. Quand il faut qu'une concession, tu me dis. S'il y a ça comme point négatif, je me dis. On pourra pas. De ouf! De ouf! Et nous pour aller. Oui, en fait, écoutez-moi!